لاحظت أنا وزملائي العديد من القضايا والمشاكل التي يعاني منها مجتمعنا. البعض منها يمسنا بشكل مباشر وآني، والبعض الآخر يمسنا بشكل غير مباشر أو على المدى البعيد. وبما أنا نادين الفتاح شيء الأرض طالع، سنعرضها عليكم اليوم. وحتى لا نتهم الجار الفاضي والنقد والسلبية، سنعرض المشكلة وحلها من وجهة نظرنا، يعني نعصر فاتو حتى ما يبقى حجة. آمنين أن يبقى عملنا هذا ونتائجه الدعم والتقدير.
الجلسة الآن للنطق بالحكم. حكمنا بوقف عمليات التجميل إلا في الحالات العلاجية. رفعت الجلسة. Vous êtes accusé parce que vous êtes désordonné et parce que vous ne donnez pas autant son importance. Monseigneur, dans le temps, il y a seulement 24 heures et ce n'est pas suffisant pour nous. On a besoin de temps pour dormir, pour travailler, pour se reposer. 24 heures, ce n'est pas suffisant. Et si j'ai 100 heures par jour, ce n'est pas suffisant pour vous. Bien sûr, ma chérie, parce que tu marches très vite. Moi, je marche vite. Ou vous me perdez, je ne sais pas comment. Monseigneur, j'ai une proposition. On arrête le temps, c'est-à-dire on n'a pas besoin de cet appareil. On vit en liberté. De quelle liberté tu parles? Tu travailles quand tu veux. Tu dors, tu manges, sans limite. Oh, comme c'est joli ça. Vraiment, vous êtes fous. Vous ne savez pas mon importance. Calmez-vous, silence. Le temps, c'est une chose très importante pour la vie d'une personne. C'est-à-dire, je vous condamne à respecter le temps et savoir comment vous le discipliner. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعته. حكمنا بحبس كل من يهدر وقته هباء. نوبل